Écrire des chansons, les jouer sur scène, c'est mon moyen de survie. C'est mon remède à tout. Prends garde sous mon sang la grenade, tu vois, tu dis bah ouais, c'est vrai que c'est évident, c'est génial. Elle a vraiment un sens mélodique très fort. J'entends des choses. Moi j'entends il faut et j'entends respirer encore. Comme beaucoup de grands chanteurs et chanteuses, elle a au moins deux voix. Clara Luciani. Sortir un truc disco à ce moment-là, c'était un peu périlleux. J'avais décidé de faire un album très joyeux dans un moment où tout était en train de s'effondrer. J'ai toujours été un peu clown triste, quoi. Elle adorait faire des spectacles, se déguiser, se maquiller. Je me suis dit, c'est comme ça que je vais plaire, parce que ça passera pas par le physique. Elle était immense. Forcément, on voyait qu'elle. Ma plus grande audace a été fait de venir à Paris. J'arrive avec cet énorme clavier. Et ça commence comme ça. On me disait pas de présence scénique, pas d'identité particulière dans la voix. J'arrivais pas à me faire entendre, j'ai vraiment joué dans les bruits de verre. Y a rien qui me laissait croire que j'avais ma place dans cet univers. Rien du tout. Mmh.